Et bonjour à tous, donc dans cette petite vidéo, dans cette nouvelle vidéo, désolé hein, j'ai un peu de retard dans les vidéos, je vais vous faire visiter la ville de Blois. Donc c'est une ville royaliste en fait, il y a un beau château, il y a de belles choses à visiter, et puis ensuite en plus vous aurez peut-être, vous regarderez jusqu'à la fin en fait, vous aurez une bonne leçon de vie de deux petites jeunes qui ont tout compris en fait à l'écologie, au respect de la nature. Donc je vous laisse visionner ça et puis je vous dis bon visionnage, à plus tard. Find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Donc on va s'enfoncer dans la ville de Blois. Donc moi c'est une ville que je voulais visiter depuis longtemps. J'ai jamais visité. Donc on va se faire les petits chemins, les petites routes. Hein. Comme ça, c'est sympa. Parce que aller sur les grandes routes avec les voitures, c'est un peu chiant. Donc on va faire ça. Ouais, donc c'est ça l'histoire. J'aime bien moi. Hein, découvrir. Non, même pas. J'aime bien rencontrer l'histoire. Voir ce qui se passe, c'est sympa. Comme ça, on va voir la petite église. Comme ça, vous allez vraiment apprendre les choses, quoi. Là, tu fais une vidéo. Et puis c'est la fée, la plus grande fille de ma pote qui va lire en fait les panneaux. Comme ça, elle va apprendre. Et les filles sur le trottoir là-bas. Hein? Regardez, on voit la flèche. Et donc c'est une église de forme gothique. Tu sais pourquoi gothique? Ouais, ça c'est le drapeau des Francs, l'ancien drapeau de Blois. C'est joli, hein? L'église Saint-Nicolas. Regardez comme c'est beau, la hauteur. Regardez en haut. C'est grand, 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 tout en haut, tout en haut, tout en haut. Donc on va lire l'histoire. Quand on visite une église, on se tait, d'accord? On regarde. On regarde, d'accord? Vous avez déjà visité une église? Non? Donc on va visiter à l'intérieur, vous allez voir. Vous avez déjà vu comment c'est? Donc on ouvre la porte là, hop, voilà, on rentre doucement comme ça, d'accord? Donc ça c'est une église gothique, parce que regarde les fenêtres, tu vois la fenêtre en haut? Ben les fenêtres sont en forme de pic, et quand ils sont romanes, ils sont tout arrondis. Thank you.
Ouais, elles sont très très vieilles, les marches. Et dans la vieille rue du château, avant, il y avait des paysans qui venaient ici pour ramener tout ce qui est le foin, le manger pour le seigneur, le roi. C'est beau, hein? Là, les vieilles maisons d'époque. Vous avez vu les vieilles maisons? On monte où là? Après le château, on va à la maison de la magie. Hein. Ben, on va voir hein, combien ça coûte. Hein. Parce que je pense que c'est à peu près la maison de la magie. Bien sûr. Ça fatigue, hein, les marches. Hein? Ah ben, tu sais, quand il fallait aller au château, pour pas qu'on les attaque, ben, ils les mettaient tout en haut de la colline. Pour pas qu'on attaque le château. Comme ça, d'en haut, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'en haut, d'après toi? Ils pouvaient voir. Voilà, ils pouvaient voir où? Les gens qui arrivaient en bas. Et comme ça, ben, ils s'étaient protégés. Voilà. Ouais. Bah attends, on va le prendre de loin. Donc là, on est au château de Blois. Donc regardez, vous avez le chevalier du château. Et donc c'est qui le chevalier du château? D'après toi? Hmm? Tu crois que c'était qui le chevalier du château? Pourquoi il est mort? Il est mort parce que... Bah parce qu'il est vieux. À l'époque, tu sais, il vieillissait pas. Regarde. Non, monte pas plus. Lâche. Donc là, vous avez la maison de la magie qu'on ira voir tout à l'heure parce qu'elle est fermée. Elle ouvre à 14h. Vous avez vu? Ça vous... Mais avec 5 ans, 5 ans, moi j'ai pas de... Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça va être de rouge. Moi, en fait, tu payes... Oh, t'arrêtes là. En chaussure. Ah, il boit un petit café. Thank you.
T'as vu, elle est là-bas. On monte ou quoi? Les filles? Bah oui, on est dans le quartier historique, c'est ça? Quartier historique. Je sais pas, l'église n'est pas droite, je crois. Ah là, là, sacrée pente, hein. Bon, on est arrivé en haut. Avec 2 kilos au moins. Ouais, là on va être tout en haut. On est plus haut que le château, je crois. C'est sûr. Mais avant, l'église et le château, ils avaient à peu près la même taille. Parce qu'ils étaient pareils. Ah, ils chantent. Vous entendez? Dans l'église. C'est des gens qui chantent. Oui. On peut y aller quand même, même s'ils chantent. Oui. Comme on fait tout à l'heure. Comment on fait tout à l'heure? On chuchote. Dans les églises, on chuchote. Et on passe dans les petites routes, c'est sympa. Ouais. Vous entendez? Vous entendez chanter? Vous écoutez? C'est pareil, c'est quoi? Gothique ou romane ici, regarde. Est-ce que c'est une église gothique? Regarde les routes, comment ils font. En pointe. Non, non, tu te donnes. Partout des chocolats. Non, c'est parce que le vendredi saint. Ben c'est aussi que les gens, ben, voilà, ils chantent, d'accord? Donc faut parler doucement, faut respecter les gens, d'accord? T'as compris? Putain, comme c'est beau, regarde. Eh, vraiment, nous, on a eu la chance, hein. On est allé dans une église où c'est qu'il y a un vendredi saint. Hein? Vous n'avez jamais été? Vous n'avez jamais entendu? Tu voulais pas que ça monte? Ben, ça descend maintenant. Oh, ben, regarde, c'est le même soleil qu'il y avait dans ma photo. Que tout à l'heure, je m'étais. Non? Ouais. C'est pas plein de place. On va voir, je crois, mon. Il y en a partout. Hein.
On ira visiter l'autre côté la prochaine fois. Là, là c'est que des mouettes. D'ailleurs, c'est beau, hein. Il y a un beau signe. Mmh. Ah ouais. Non, on va pas au bord de l'eau. C'était bien la journée? Hein? De quoi? Les jeux, il va faire tuer les animaux. Ah bon? Ouais. Ah d'accord, ok. Si tu le dis. Ils vont tuer les animaux. C'est dégoûtant, hein? C'est dégoûtant. Ouais, c'est dégoûtant. Il y en a partout. Des ballons, des moi, bouteilles. Je suis d'accord avec toi. Ouais, t'es d'accord avec moi. Bah oui, c'est dégoûtant. C'est pas bien ça de faire ça. C'est vrai que les papiers, faut pas les jeter par terre. Y a plus de ça va tuer les animaux. Ah bah oui, ça va tuer les animaux, t'as raison. Eh oui. Hein. Ça va tuer les poissons, les canards, les cygnes. Et après, il n'y aura plus de canards quand on serait grand. Des bah canards. Oui. Si on jette tous les papiers, après, bah, il n'y aura plus de canards, plus d'oiseaux. Bah oui. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut tout ramasser, il faut tout mettre à la poubelle quand on voit des papiers. Parce que ça met longtemps à partir. T'as plus les chefs, c'est que les bêtises. Bah oui. J'ai des déchets par terre, j'ai des papiers dans l'eau. Non, j'ai vraiment pas envie de ça, mais les gens. Bah oui. Tu vois, nous, on jette pas de déchets dans l'eau. Non, on met où les déchets? Et dans la poubelle. Voilà, on met tout dans la poubelle. Et que les chefs mettent dans l'eau. Oui. Et par terre. Ouais, t'as vu, faut respecter la nature pour qu'ils puissent manger, qu'il y ait des poissons. Eh oui, c'est bien, au moins vous avez compris. C'est ouais, pas le cas des. Mais les gens ne savent pas compris. Non, ils n'ont rien compris. Ouais, t'as tout compris. La police, il dit faut pas jeter des déchets, mais c'est quand même. Non, monsieur, on s'en fiche de la police. En fait, c'est pas les questions de la police, c'est qu'il ne faut pas polluer, c'est pour les animaux. Les animaux, eux, ils ont rien dit. Si on les tue, parce qu'on met plein de déchets partout, hein. C'est pas bien. Les animaux, ils n'ont rien mangé. Voilà, vous avez tout compris. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai visiter la deuxième étape du zoo de Beauval. Donc on s'envolera en fait dans le téléphérique pour aller voir les éléphants. Et puis l'ouverture de la volière de Beauval. Et ensuite, je vous laisserai regarder. Et puis n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Facebook et Instagram. Road Trip Découverte avec Jérôme. Allez. A plus tard.